Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, une autre petite vidéo d'un autre auteur que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Amélie Nothomb. Alors je vais vous montrer tous les livres que je possède d'Amélie Nothomb. J'en ai pas beaucoup, hein, je dois en avoir 5-6. Alors, voilà. Je vous parlerai aussi de ceux que j'ai lus d'Amélie Nothomb. Alors nous avons déjà, je crois, bon je les ai pas dans l'ordre hein, parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Le premier c'est, hop, et alors celui-là, Hygiène de l'assassin. Voilà, bah, celui-là je l'ai pas lu. Donc j'approche, voilà. Donc ça c'est le tout premier livre que j'ai acheté d'Amélie Nothomb. Ensuite nous avons Stupeur et tremblement. Alors celui-là je l'ai lu, c'est... j'ai adoré. Ça se passe au Japon. Hein, voilà. Mais celui-là, je détaillerai plus dans une autre vidéo. Je parlerai des livres que j'ai lus, quoi, de Amélie Nothomb. Ensuite, nous avons Ni d'Ève ni d'Adam. Pareil, ça se passe aussi au Japon. Voilà. J'ai aussi beaucoup apprécié. Je l'ai lu aussi en entier. J'ai aussi Métaphysique des tubes. Voilà. Alors celui-là, j'ai commencé à le lire, mais il est... j'ai pas aimé. Il est assez spécial celui-là. C'est la biographie en fait de Amélie Nothomb elle-même. Et voilà. Ce livre-là, j'ai pas apprécié. Il est assez spécial. Ensuite, nous avons Tuer le père. Voilà. Je vous montre bien, voilà. Donc celui-là, pareil, je l'ai lu. Celui-là, j'ai trouvé sans plus. Mais. Alors, ensuite, nous avons Les combustibles. Celui-là, pareil, je l'ai lu. Voilà, j'espère que... Ah, je vois bien, voilà. Alors celui-là, bah, il est très très facile à lire. Hein. En fait, ce sont que des narrateurs. Hein. Tout le livre, c'est que 3 personnes qui parlent. Donc, il est pas mal. D'ailleurs, ils en ont fait une pièce de théâtre. Les combustibles, voilà. Et pour terminer cette vidéo, le dernier, c'est Barbe Bleue. Hop, voilà. Alors celui-là je l'ai lu aussi. Et celui-là c'est pareil, il y a beaucoup de narration entre les deux personnages. Mais hein. Bon, ça reprend l'histoire de Barbe Bleue, un petit peu modifiée par Amélie Nothomb. Mais par contre, je pense à ça, mais je crois. Normalement j'en ai un autre. C'est bien ce qui me semblait, j'en ai un autre. Le tout dernier d'Amélie Nothomb, Pétronil. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, bon, celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc je ne l'ai pas lu. Hein. D'ailleurs, oui, j'ai failli l'oublier celui-là. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Voilà, donc le dernier d'Amélie Nothomb. Ouais. Donc voilà, c'était les livres d'Amélie Nothomb que je vous ai présentés. Je referai des vidéos plus tard pour vous dire les livres d'Amélie Nothomb que j'ai lus et si je les ai aimés ou pas. Et puis bah voilà, donc c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Salut.